tas d'ordures ménagères derrière. À notre arrivée, il y avait donc la cuve de fuel de 5000 litres et les engins industriels qui étaient menacés. On a donc établi une lance en protection de la cuve de fuel. Et ensuite, on est allé récupérer l'engin pour permettre d'enfuir avec le sinistre et ralentir le feu. Et ainsi pouvoir parfaire l'extinction. Et tout est maîtrisé ou va l'être bientôt? Je pense que tout va l'être bientôt. Là, ça s'est bien calmé. Les déchets, normalement, doivent être couverts régulièrement. Et ça m'étonne que, partant le week-end, ils n'y pensent pas, parce que des temps comme aujourd'hui, hein, plein soleil et puis un vent sec, c'est pas surprenant. Je ne dis pas que c'est automatique, mais c'est pas surprenant que le feu prenne. Et comme il y a une personne d'astreinte, mais elle n'est pas sur place, le temps qu'ils s'en aperçoivent, le feu est démarré.